dès à présent pour ne pas nous mettre trop en retard. C'est dans cette séance, on aura comme orateur Joël Ancel, puis Arnaud Boiniche. Alors je commence par présenter Joël, qui est membre fondateur de la CIREL, auteur de Vladimir Jankélévitch, une philosophie du charme, qui est sortie chez Manutius, et directrice d'une nouvelle collection chez Manutius aussi, qui s'appelle CIREL, Actualité de Lévinas, ou juste Actualité de Lévinas, ou les deux. Non, CIREL, Actualité ouais. de Lévinas. CIREL, Actualité de Lévinas, dont le premier volume qui a inauguré cette collection, c'est Bergson, Jankélévitch et Lévinas, que j'ai dirigé. Et ce soir, la présentation de ce livre aura lieu à Ombre Blanche, donc j'espère que vous serez présents pour nous entendre parler de Bergson, Jankélévitch et Lévinas. Mais pour l'instant, Joël va nous parler de Penser la vie en durée avec Bergson, Simmel et Jankélévitch. Et voilà. Voilà, voilà. Je peux le déplacer comme ouais. ça Il faut les deux. Ah. On va le baisser un peu. Ah oui, là, c'est vraiment... Ça ressemble à une, ça ressemble à un colloque scientifique maintenant. Tout est en ordre. Alors d'abord, Flora, je voudrais te remercier pour nous accueillir depuis 2010 et puis pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Voilà. Et je suis contente d'avoir l'occasion d'entendre des scientifiques. J'en connais un de près qui essaye de m'expliquer les neurosciences depuis fort longtemps. Alors j'espère que je comprendrai un peu mieux aujourd'hui. Et puis là, cette fois-ci, je ne parle pas de Lévinas, hein, j'ai décidé de parler d'autres auteurs. Il est toujours là en filigrane, hein, on n'y peut rien. Donc là, cette fois-ci, ce sera Penser la vie en durée avec Bergson, Simmel et Jankélévitch. Penser la vie en durée avec un point d'interrogation. Alors, dans ses premières lettres, échangées en 1923 avec Louis Bauduc, son condisciple à l'école normale supérieure et l'ami de toute une vie, Jankélévitch, qui a alors 20 ans, se définit résolument comme vitaliste. Et cette profession de foi se retrouve en fait dans tous les textes qu'il publie dans une phase initiale, qui commence avec un article de 1924, de philosophe de la vie Bergson-Guyot, donc il a 23 ans, jusqu'à Henri Bergson, son premier ouvrage, paru en 1931. Et donc, le jeune philosophe considère la vie comme totalité, et c'est sur ce thème que s'ouvre son livre Henri Bergson, le premier chapitre s'intitule « Totalité organique », et donc c'est encore sur ce thème de la totalité que se clôt son ouvrage sur l'Odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling, en 1933, donc le dernier chapitre s'intitule « Il n'y a que des totalités ». Et alors là, je parle un peu de Simmel. Il y a beaucoup de choses à dire sur Simmel, hein, mais pour faire court, on peut dire que Simmel est l'un des fondateurs de la sociologie. Bon, en préparant l'exposé, j'ai eu l'occasion de lire des choses extrêmement intéressantes sur les débats entre Durkheim et Simmel. Comme je suis novice sur la question, je n'irai pas plus loin, mais c'est extrêmement intéressant. Et Simmel est l'une des sources majeures dont se nourrit le vitalisme de Jankélévitch. Et d'ailleurs, en 1925, il lui consacre un article. Donc ça s'intitule « Georg Simmel et la philosophie de la vie ». Et donc Simmel a en commun avec Bergson la représentation de la vie comme un tout organique qui vit en durée. Et chez Bergson, la vie intérieure est un tout, l'unité d'une multiplicité d'états d'âme qui, tout en étant hétérogènes, sont solidaires les uns des autres et se compénètrent comme les notes dans la mélodie ou les organes dans le corps vivant. D'ailleurs, Léon Braunschweig, c'est intéressant parce qu'on dit, oui, c'est un rationaliste, idéaliste, mathématique, donc il devrait être en désaccord avec Bergson, ce qui est vrai aussi, mais dans Les progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, donc en 1927, qui part en 1927,
il reconnaît à Bergson le mérite d'avoir réinvesti la qualité. Donc c'est pas du tout des états d'âme qui s'ajoutent les uns aux autres, qui s'additionnent, qui sont juxtaposés dans l'espace. Hein, chez Bergson, il y a cette opposition foncière entre l'espace et le temps, et l'espace et la durée. Alors maintenant, pour Zimmel, la société n'est pas une somme d'individus, mais l'ensemble de leurs interactions, et ce sont ces interactions qui ont produit toutes les formes de la vie spirituelle et de la culture. Et qu'on parle de Bergson ou de Zimmel, ben le facteur essentiel, c'est le temps, hein, soit Bergson la durée, soit Zimmel l'histoire. Et donc la biologie sert de support au vitalisme bergsonien, bon ça c'est bien connu, hein, et par contre, ça c'est Jean Kelevitch qui le note dans son article de 1925, il ne semble pas que Zimmel ait reconnu l'importance de cette idée de vie sous l'influence de la biologie, mais on trouve quand même chez ces deux auteurs une distinction radicale entre les totalités organiques, les corps vivants et les systèmes inorganiques. Et pour les deux, pour tous deux, il s'agit de soustraire, ou du moins de ne pas réduire aux phénomènes psychochimiques qui régissent la matière, soit la vie intérieure, soit l'évolution du vivant, hein, l'évolution créatrice, le vivant, soit pour Zimmel la société. Et donc en fait, il s'agit vraiment d'un projet d'émancipation de la biologie, de la sociologie, des sciences de la nature et du mécanisme cartésien. Et d'ailleurs, Jean Kelevitch, au début d'un article de 1929 qui s'intitule « Bergsonisme et biologie », distingue ceux qui viennent à la biologie à partir des sciences de la nature et qui ne se sont pas encore défaits du mécanisme cartésien, c'est un peu les hommes du passé, hein, et puis les médecins, promoteurs de ce qu'il appelle déjà la neurobiologie, avec des guillemets, c'est un terme qu'il emploie déjà. Et alors par contre, une approche du vivant, alors il dit vitaliste, et là ils illustrent la grande tradition philosophique française. Ben, vous apprécierez un peu la condescendance des philosophes par rapport aux savants. Hein. En cette même année 1933, où la totalité est au centre de ses préoccupations, puisque paraît l'ouvrage sur Schelling, paraît donc ce qu'on peut considérer vraiment comme la première œuvre philosophique de Jean Kelevitch, philosophe, « Valeur et signification de la mauvaise conscience ». Donc là, je citerai ce livre, cet ouvrage sous le titre « La mauvaise conscience », pour faire plus court, c'est le titre de la seconde édition qui paraît en 1951. Et c'est là qu'il introduit l'intuition originaire dont jaillit toute sa philosophie, c'est-à-dire l'ipséité. Hein, on en a parlé d'ailleurs dans la première conférence. bonjour Françoise. Alors là, faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc l'ipséité, la singularité de la personne humaine irremplaçable, hein, semelle factive, c'est un terme que Jean Kelevitch, tous ces termes-là, il les introduit déjà en 1933. On les retrouve partout jusqu'à la fin de son œuvre. Il est mort en 1985. Donc, semelle factive, c'est la personne humaine irremplaçable qui ne vit qu'une seule et une seule fois. Et une seule et unique fois, pardon. Et c'est non dans la durée, mais dans la fulgurance d'un instant primultime, puisque le premier est aussi le dernier, et puisque le temps est irréversible, que s'éprouve l'ipséité. Alors, l'ipséité, c'est le titre d'un article, c'est un titre emblématique qui paraît en 1939, qu'on peut considérer comme le noyau de sa morale et de sa métaphysique qui fleurit après-guerre dans le Traité des Vertus, 1949, Philosophie première, 1953, si je ne me trompe, Le Je ne sais quoi et le Presque rien, 1957, et tant d'autres œuvres. Et en tout cas, ça c'est ma vision des choses, que l'ipséité est le fil d'or qui traverse toute l'œuvre de Jean Kelevitch et qui unit indissolublement sa métaphysique, sa morale, sa philosophie de la musique et ses écrits sur le judaïsme, sur l'être juif, sur l'imprescriptibilité des crimes nazis. Hein. Alors là, je m'oppose tout à fait aux gens qui disent il y a deux Jean Kelevitch, il y a le philosophe et puis il y a le pamphlétaire,
les écrits véhéments sur l'imprescriptible, ce qu'il dit des Allemands, c'est vrai que c'est pas très tendre, eh bien tout ça c'est un dérapage, hein, je m'inscris complètement en faux, pour moi, contre cette vision des choses. Pour moi il y a une spécificité de chaque pan de l'œuvre, mais il y a une unité totale de tous ces aspects dans la personne et dans l'œuvre de Jean Kalevitch et dans ses engagements concrets. Alors la question qui va me guider, c'est y a-t-il une contradiction à penser la vie à la fois comme totalité et ipséité? Et n'a-t-on pas plutôt affaire à l'un de ces paradoxes dont Jean Kalevitch a le secret, puisque Jean Kalevitch, c'est un orfèvre du paradoxe, il dit lui-même de sa philosophie que c'est une paradoxologie. Et en fait, c'est bien comme un paradoxe qui nous invite à penser la vie. Et pour saisir les termes de ce paradoxe, alors bien sûr, outre Bergson, hein, dont je vais reparler, évidemment, il faut tenir compte de l'importance qu'a eue pour lui l'œuvre de Zimmel. Et dans quelque part dans l'inachevé, sa conversation avec Béatrice Berlowitz, qui est vraiment magnifique, et je dis toujours, c'est l'introduction, et pas seulement l'introduction, c'est un guide de lecture de l'œuvre de Jean Kalevitch. Jean Kalevitch s'insurge contre la méconnaissance qui frappe l'œuvre de ce philosophe juif allemand, qui fut à la fois, dit-il, un artiste, grand admirateur de Rodin, et un philosophe aigu, étincelant, capricieux, parfois aussi difficile et obscur, ça c'est vrai, hein, quand on vit c'est pas toujours évident, mais sans rien de dogmatique ni d'épée. Il exprime la conviction que Zimmel sera tiré un jour ou l'autre du purgatoire des méconnus, et que la postérité le relira et le reconnaîtra, parce que les œuvres oubliées, ensevelies, étouffées, continuent d'exister. Alors c'est un peu cette injonction, en fait, à lire Zimmel, que j'ai voulu entendre, et que je me propose de suivre en me penchant en particulier sur un essai qui a beaucoup compté pour Jean Kalevitch, qui s'intitule « Métaphysique de la mort ». C'est un essai qui a paru originellement en 1910, et ensuite en français dans un recueil qui s'intitule « La tragédie de la culture ». Hein, il y a beaucoup de merveilles dans un recueil d'essais, et auquel, en fait, l'article de Jean Kalevitch, son article de 1925, a servi d'introduction. Et donc, l'œuvre de celui que Jean Kalevitch appelle le philosophe juif allemand a bien été pour Jean Kalevitch une source d'inspiration majeure, et c'est vrai que ce n'est bien sûr pas négligeable, et c'est même essentiel pour qui entend retracer les origines et la genèse de la pensée de Jean Kalevitch. Alors bien sûr, cet intérêt historique est certain, mais mon but n'est pas tant ici de parler de Zimmel ou de Bergson en termes d'influence que Jean Kalevitch aurait subi, hein, mais plutôt de repérer dans ses commentaires de Zimmel et de Bergson l'esquisse de sa propre philosophie, hein. Et une philosophie, alors j'ai dit une paradoxologie, hein, c'est ce terme qui est préférable, en fait, qui tout en envisageant l'existence humaine dans son ipséité, ne renoncera pas à l'idée de la vie comme totalité, mais la repensera tout autrement. Et donc, en lisant les premières lettres, alors je veux préciser que c'est Françoise, enfin bon, elle a fait un travail extraordinaire, hein, grâce à elle, on peut lire énormément d'œuvres de Jean Kalevitch. Et elle a donc réuni les lettres, la correspondance que Jean Kalevitch a échangée avec son ami Louis Bauduc depuis 1923 jusqu'en 1980. Et ce n'est que la mort de Louis Bauduc qui a mis fin à cette correspondance. Donc c'est un volume qui s'intitule « Première et dernière lettre ». Et donc en lisant les premières lettres de Jean Kalevitch à Bauduc en 1923, on est frappé de la fréquence avec laquelle il évoque l'œuvre de Zimmel. Et c'est très frappant parce qu'on le croyait bergsonien, d'ailleurs il l'est, il le dit lui-même, hein, et il s'y révèle tout autant zimmélien. Et on a un peu l'impression, en fait, que sa rencontre, évidemment si décisive avec Bergson, dont il ne sera pas seulement le commentateur, le disciple extrêmement brillant, mais l'interlocuteur, vraiment un interlocuteur en dépit de sa jeunesse. Donc cette rencontre décisive en décembre 1923 est pratiquement éclipsée dans ses lettres par le récit enthousiaste qu'il fait à Bauduc cette même année, depuis la caserne où il fait son bon voust, hein, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est un terme un peu ancien, qui dans le jargon normalien désignait le service militaire.
Alors, il raconte de manière très fleurie et très ironique à Bauduc sa découverte de l'œuvre de Zimmel. Et il n'hésite pas à prononcer l'incomparable supériorité de Zimmel sur Bergson. Hein. Il avait du toupet, on va dire. Hein. Bon, on sait qu'il a toujours eu cette audace dont il ne s'est jamais départi. Alors, je vais vous citer en fait une de ses premières lettres. En fait, il essaye toujours de convaincre son ami. Il le traite de tous les noms, c'est-à-dire conceptualiste. Intellectualiste, hein. C'est vrai que Bauduc est beaucoup plus sage même si on n'a pas ses lettres à lui, on a quelques lettres beaucoup plus tardives, mais on le sent beaucoup plus sage, beaucoup plus brunschvigien, et puis donc ça fait partie un peu du jeu entre les deux amis. Et bon, Jean Kalévitch, bien sûr, se définit comme vitaliste. Alors c'est une lettre, c'est un extrait d'une lettre que Jean Kalévitch écrit à Bauduc. Le 18 août 1923. Alors je vais ralentir un peu mon débit parce que presque chaque mot est important. Donc la lecture, je commence par lire ce texte, la lecture de ce texte. La vie militaire, entre guillemets, comme on dit parfois, n'est même pas une vie, puisque la vie suppose des contenus fluents et plastiques, informés sans doute par un certain cadre, qui est son principe d'individuation, mais cherchant néanmoins à dépasser ce cadre, à faire éclater toutes les formes. Or, les valeurs militaires sont précisément de pure forme rigide et sans contenu. Aussi, la vie militaire est-elle un monstre? Elle est limitation absolue, elle n'est pas dépassement de soi. Mais ces échappées indéfinies sur le mystère, sur le paradoxe, entre guillemets, de la vie, sont malheureusement pour moi de courte durée et trop souvent le maniement des armes, brutalisant dans ses formes cassantes la souple et sinueuse, pardon, élégance du progrès vital. M'interdit cette ascension légère de la conscience réfléchie que Zimmel appelle transcendance de soi, hein, dépassement de soi. Alors bon, moi j'ai pas fait mon service militaire, je sais pas si quelques-uns d'entre vous l'ont fait, je pense que c'est une description absolument réaliste et très juste. Et donc ce récit des joies douteuses de la vie militaire, en fait, nous conduit au cœur de l'œuvre de Zimmel. Et d'ailleurs, dans son article de 1925, Jean Kalévitch évoque très longuement l'influence bergsonienne qui, dit-il, pénètre, traverse, baigne l'œuvre de Zimmel. Et en fait, c'est bien ce qui saute aux yeux dans le passage que j'ai lu. Hein, il expose vraiment la philosophie zimmélienne de la vie dans un langage typiquement bergsonien. Alors même s'il dit que Zimmel est incomparablement supérieur à Bergson, on voit bien qu'il rend à Bergson ce qui revient à Bergson, ça c'est sûr. Hein. Alors par exemple, dépasser le cadre, faire éclater toutes les formes. On peut citer le début de l'évolution créatrice, où Bergson écrit ce qui suit. De fait, nous sentons bien qu'aucune des catégories de notre pensée, unité, multiplicité, causalité mécanique, finalité intelligente, ne s'applique exactement aux choses de la vie. En vain, nous poussons le vivant dans tel ou tel de nos cadres. Tous les cadres craquent. Ils sont trop étroits, trop rigides, surtout pour ce que nous voudrions y mettre. Alors, bien sûr, on retrouve les thèmes dans la lettre, hein, fluidité, plasticité, sinuosité, hein, tout ça, ce sont des termes bergsoniens. Et alors Jean Kalévitch utilise ce langage bergsonien, mais en 1936, il publie un ouvrage sur l'ironie. Et il était passé maître en la matière, on le voit bien déjà en lisant hein, l'extrait, ce fameux extrait. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il ait utilisé le langage de Bergson pour un peu le retourner contre lui et prononcer l'incomparable supériorité de Zimmel. Et donc, on a bien sûr chez Bergson ce thème de l'élan irrésistible de l'évolution créatrice. Alors bien sûr, il y a un obstacle, hein, c'est la matière, mais la matière reste extérieure. Il y a cette distinction radicale entre l'esprit, la vie, la matière. Hein. Et donc la matière peut être toujours vaincue et contournée, ça c'est un terme bergsonien. D'ailleurs, elle peut aussi servir d'organe, hein, ça c'est Jean Kalévitch qui l'a vraiment mis aussi en relief, hein. La matière est à la fois obstacle, mais elle peut être aussi organe du développement du vivant.
Et d'ailleurs, on ne peut pas se passer de la matière. Hein. On a vraiment un problème, on aimerait bien s'en passer, mais on n'a pas le choix. Hein. Mais alors, Zimmel, en fait, lui, oppose une vision très différente, hein, puisque pour lui, la vie est nécessairement et inéluctablement habitée par son contraire. Elle est limitée de l'intérieur, et pire encore, elle secrète sa propre négation. Et donc, la transcendance de soi... c'est-à-dire l'élan par lequel la vie est perpétuelle, dépassement des formes et des limites, et va en créer d'autres qu'elle va de nouveau dépasser, hein, tout autant la négation de l'absence de forme et du pur devenir. Et d'ailleurs, Jean Kelevitch reproche, alors peut-être injustement, ça on verra, peut-être Arnaud, peut-être hein, les bergsoniens, les vrais bergsoniens, hein, pas comme moi, auront des objections, parce que c'est vrai qu'il est, il est assez acerbe envers Bergson, et il lui reproche d'ériger le devenir en forme en tombant par trop dans l'erreur des héraclitéens. Et donc, entre les deux excès que constitue d'un côté... un idéalisme rationaliste qui privilégie les formes et qui risque de réifier l'élan créateur de la vie, et un mobilisme, ça c'est l'héraclitéisme, hein, qui en refusant toute limite et toute forme, réduit la vie à une réalité chaotique. Zimmel a eu le mérite, pour Jean Kelevitch, de saisir le paradoxe de la vie, qui est tout autant transcendance de soi que le mouvement et l'effort par lequel notre conscience cherche à ajuster un contenu et à une forme. Alors ça c'est la suite du texte, hein, donc la vie est mouvement et effort par lequel notre conscience cherche à ajuster un contenu à une forme, faisant éclater les formes périmées et vieillottes qui ne seraient plus capables de discipliner le flot grossissant des contenus déterminés, comprimant les contenus sans loi dans des formes solides qui les marquent du sceau de l'individualité et les enferment dans ces limites rigides auxquelles la raison a besoin de s'agripper si elle ne veut pas glisser dans le néant de la fluidité pure, et se dissoudre enfin dans l'inexprimable. Alors donc, il y a ce paradoxe hein, chez Zimmel, que l'être limite qui n'a pas de limite a besoin de limite. Et là, c'est ce que dit Zimmel, la vie en tant que vie a besoin de la forme, et en tant que vie, elle a besoin de plus que la forme. Une contradiction pèse sur elle, hein, sur la vie. Elle ne peut trouver place que dans les formes, et pourtant, elle ne peut pas trouver place dans des formes. Et donc, on a vu que Jean Kelevitch a appliqué au service militaire les principes du vitalisme zimmélien, et c'est exactement, en fait, c'est la méthode de Zimmel, donc il adopte cette méthode dans l'article de 1925, où, en fait, il ne se contente pas d'un exposé purement théorique des thèses de Zimmel, mais il en précise les applications. Et toutes les expressions de la culture et de la civilisation sont convoquées, qu'il s'agisse du problème moral, dont d'ailleurs Jean Kelevitch note que ça c'est très important, que la métaphysique zimmélienne de la vie est indissociable, du domaine de l'art, de la religion, du problème sexuel et même de la mode. Hein, ça, tout ça c'est des essais dans la tragédie de la culture, où il commente aussi l'anse du vase, où il commente aussi l'esthétique du visage, c'est pas du tout lévinassien, mais bon, c'est néanmoins magnifique, le pont, hein, la porte, la fenêtre, hein. Donc vous voyez, c'est très très concret. Pour ce qui me concerne, je vais me consacrer sur l'application de cette métaphysique de la vie au problème de la mort. Donc la métaphysique de la vie de Zimmel est indissolublement une métaphysique de la mort, et les totalités organiques ne sont pas, comme chez Bergson, des êtres qui durent, mais des êtres qui meurent. Et pour Zimmel, qui entend la vie en un sens spirituel et non biologique, hein, c'est vraiment la vie vécue par la conscience, d'ailleurs c'est bergsonien, ou alors ils ont pensé ça en parallèle, seul l'homme, être conscient, peut mourir. Alors bien sûr, là on apprécie les résonances pascaliennes qui ont tant frappé Jean Kelevitch qui ne cesse de citer Pascal, qui a été très profondément marqué par la lecture des pensées. On retrouve d'ailleurs beaucoup de thèmes pascaliens chez Zimmel, bien sûr adaptés hein, à la Zimmel, comme par exemple la mitoyenneté de l'homme qui n'est ni ange ni bête, hein, qui se meut dans cette mitoyenneté. Alors je reviens bon, à ce texte, hein, puisque Jean Kelevitch disait ce qu'il dit de la vie militaire, il disait que la vie militaire n'est même pas une vie,
et que c'est une limitation absolue. Alors ça, c'est vraiment les termes de Zimmel quand il parle de la mort. La mort est une limitation définitive absolue. Et si la mort, comme la vie militaire, est un monstre, alors c'est non seulement parce que la forme, les formes sont séparées du contenu et deviennent rigides et inflexibles, mais c'est aussi parce qu'elle est limitation définitive, alors que toutes les autres limites que l'esprit s'impose pour donner une forme à des contenus toujours changeants sont provisoires, puisqu'elles sont faites pour être dépassées lorsque ces formes se périment et qu'elles doivent être alors remplacées par la création de formes nouvelles qui seront dépassées à leur tour. Et c'est bien là ce qui fait des formes de la culture, donc les institutions, les lois, les valeurs morales, politiques, religieuses, sociales, les règles d'esthétique, ça je cite Jean Kelevitch, des êtres vivants qui évoluent et qui vieillissent, dont il incombe aux philosophes de reconstituer la genèse et de suivre le graduel développement dans la durée. Hein, c'est vraiment du relativisme, et dans le bon sens du terme. Et il arrive que les formes de la culture dégénèrent lorsqu'elles se rigidifient, elles se vident de leur contenu, elles deviennent purement formelles, elles dégénèrent et elles meurent. Et c'est bien en ceci qu'on consiste d'ailleurs la tragédie de la culture, ce sentiment tragique de la vie que Zimmel et le jeune Jean Kelevitch à sa suite reprochent à Bergson d'avoir méconnu. Alors là, pour un petit peu décrire un peu plus de près ce qui se passe lorsque les formes, enfin cette tension permanente entre les formes et les contenus, entre le flux vivant et puis le dépassement de soi et les limites, hein, les formes. L'élan du cœur, l'inspiration et la foi ne peuvent s'exprimer que dans des formes solides qu'elles ont engendrées et qui paradoxalement vont les étouffer. La morale dans des lois objectives et impersonnelles, la religion dans des rites et des dogmes, l'art dans le respect des conventions en vigueur à une époque donnée. Et dans cette veine zimmélienne, Jean Kelevitch décrit la manière dont à chaque pas le génie de l'innovation est menacé de radotage, de délayage et de bégaiement. Le délayage, parfois on l'expérimente, hein, pas seulement dans le domaine de la musique. Et pour lui, le cas le plus représentatif, c'est celui de la création musicale, puisque Jean Kelevitch était un pianiste virtuose, il sait très bien de quoi il parle, c'est un grand philosophe de la musique dès l'origine de son œuvre, dès avant-guerre. Hein. Et Jean Kelevitch dit dans son Bergson, « À peine l'inspiration a-t-elle pris chair qu'elle succombe déjà au développement conventionnel qui de toutes parts afflue à sa rencontre, la moindre idée mélodique attire un essaim de formules toutes préparées vers lesquelles une sensibilité un peu complaisante se laisse volontiers glisser. » Alors si le mouvement de transcendance de soi peut insuffler aux formes de la culture une vie nouvelle, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de la mort, puisque, alors ça c'est une citation de Zimmel, « La négation de la vie est inhérente à la vie même, et le vital, pour se réaliser, a besoin de sa propre antithèse qui le tue. » Alors ça, c'est dans la métaphysique de la mort, au début, où Zimmel dit « La mort n'est pas comme l'érosion pour le rocher, qui est un être inorganique, une forme qui limite... » D'ailleurs, on peut pas parler vraiment de la mort, hein, parce que c'est pas un être conscient. Donc c'est pas une forme qui limite le corps vivant dans l'espace et de l'extérieur. La mort de l'être vivant, de l'organisme, c'est une limitation temporelle et elle se fait du dedans. Ah, je vais en arriver à Jean Kelevitch, hein, parce que voilà, le temps presse. Et donc, ces pensées sur la mort engagent véritablement une métaphysique, une conception du sens de l'existence humaine, puisque Zimmel rejette la représentation mythologique suivant laquelle la mort, c'est un coup de ciseau que les parques donnent à un moment donné au fil de la vie. La mort qui survient à la fin de la vie est l'instant ultime à l'heure du trépas. Et pour lui, la mort est pour la vie un facteur de forme qui donne coloration à tous ses contenus. Alors c'est pas, en fait, il y a un sentiment tragique de la vie, mais c'est pas si tragique que ça, parce que, et Jean Kelevitch le souligne, eh bien la mort préforme la vie, hein, elle colore tous les instants de notre vie. On a la certitude du fait qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand, hein, parce que sinon on tomberait dans le désespoir, et donc au contraire c'est un principe d'action.
Et donc, alors là, Jean Krivitch abonde dans le sens de Zimmel, vraiment dans son article. Il dit que la mort est une nécessité et quel est l'épanouissement naturel d'une destinée qui mûrit à travers la vie entière et qu'il n'y a donc rien de moins catastrophique, de plus réellement vital que la mort. Ah, évidemment, les lecteurs de Jean Krivitch, les lecteurs de la mort, son traité de, je pense, 1967, qu'il publie donc 66, qu'il publie plus de 40 ans après, bah, savent qu'il dit tout le contraire. D'ailleurs, il le dit même avant, hein, il va le dire dès 1933 dans La mauvaise conscience. La mort est la chose la plus catastrophique qui soit. Jean Krivitch a pensé jusqu'au bord dans le, et vraiment dans le déchirement, le paradoxe insoluble de la mort qui est un monstre empirico-métempirique, dit-il. Puisque la mort est d'une part une nécessité biologique, un phénomène naturel qui touche l'ensemble des vivants, et indissociablement ce qu'il y a de plus scandaleux, de plus tragique, de plus révoltant, puisqu'elle anéantit, elle nihilise un être absolument unique qui ne vit qu'une seule et unique fois, en un mot, une ipséité. Et Jean Krivitch, dès 1933, repousse les essais de consolation pour veuves spartiates, qui consistent à dire à la mère qui a perdu son enfant que sa perte irréparable sera compensée, qu'elle en aura un autre, plus lourd, plus beau. Et donc, le tragique, alors là on va retrouver notre notion de totalité, puisque le tragique absolu de la mort tient précisément au fait que l'ipséité qu'elle nihilise est une totalité, et que cette totalité est tout autant une ipséité. C'est justement d'ailleurs ce qui distingue radicalement l'homme de toutes les autres totalités organiques, de tous les autres êtres vivants, que Jean Krivitch, avec son humour inimitable, dit ce sont des êtres en série ou de confection, hein, au sens, on emploie ce terme quand on parle de l'industrie du prêt-à-porter, au contraire, hein, inversement à la haute couture. Lorsqu'il s'agit de l'homme, le mot totalité n'a pas un sens purement biologique, mais une signification foncièrement morale, puisque la morale, la conversion au bien avec l'âme tout entière, produit ce renversement par lequel la première personne, ça c'est Jean Krivitch qui le dit, la première personne passe dernière, la seconde devient première, de sorte qu'en vertu d'un impératif catégorique, d'une responsabilité à laquelle je ne saurais me soustraire, je suis le défenseur de tes droits, dit-il, je ne suis pas le gendarme de tes devoirs. Alors j'en arrive à ma conclusion, hein, puisque là l'unicité absolue et la totalité se rejoignent, la mort est bien l'anéantissement d'une ipséité, d'une personne qui est, comme l'écrit déjà Jean Krivitch en 1933, une totalité unique en son genre. En fait, c'est même une totalité unique hors de tout genre, hein, d'après la manière dont il le décrit, cette totalité, qui résulte d'un nombre infini de combinaisons, de relations et d'éléments qui ne se rencontrent qu'une fois. Mais ça, d'ailleurs, c'est tout à fait remarquable, hein, en 1933. Pour l'être moral, le scandale contre lequel on a l'obligation de se révolter, c'est avant tout la mort d'autrui, et non ma mort propre. Hein. Et c'est sur ce point, d'ailleurs, que se distinguent l'une de l'autre, sans jamais, évidemment, se dissocier complètement, ça c'est clair, la métaphysique et la morale de Jean Krivitch. Alors la révolte de Jean Krivitch contre le scandale et la banalisation de la mort, hein, banalisation, il emploie ce terme déjà en 1933, son engagement avec l'âme tout entière ont pris bien sûr une acuité particulière dans ses écrits de l'après-guerre, de l'après-extermination, puisque on sait que Jean Krivitch a lutté inlassablement contre les sophistes qui prônent le pardon et l'oubli de ce crime innommable qu'a été l'extermination des Juifs, ce produit de la méchanceté qu'il qualifiait d'ontologique, puisqu'elle nie le fait même d'exister. Hein, les Juifs ne sont pas persécutés et anéantis pour ce qu'ils font, hein, mais pour ce qu'ils sont. Hein. Et c'est ainsi qu'il a montré l'unicité absolue de l'antisémitisme, et nous savons tous à quel point le combat qu'il a mené reste actuel. Merci beaucoup. Je vais prendre le même micro. On a quelques minutes pour les questions. Je tiens à préciser que la Françoise à laquelle on se référait pendant cet exposé, c'est Françoise Schwab qui est l'auteur de... mais qui arrive en retard et qui est l'auteur, enfin, qui a publié Vladimir Jean Krivitch, L'esprit de résistance, qui est sorti en 2015 et que nous aurons le plaisir d'entendre demain à 11h15.
Oui, juste une petite remarque, je ne veux pas en engager, mais faire le gardien de l'orthodoxie bergsonienne, il y a quand même un malentendu important, j'ai l'impression, dans la façon de lire Bergson. Vraiment important, parce que la question de la relation entre la vie et la mort est ramenée à la conscience dans ce que je vois apparaître. Et ce n'est pas du tout le problème de l'évolution créatrice. Problème d'évolution créatrice, on ne peut pas la penser simplement depuis une philosophie de la conscience. Oui, la vie, ce n'est pas une propriété de la conscience dans l'évolution créatrice, c'est une propriété de la biosphère. Oui, le problème n'est pas du tout simplement psychologique, il est cosmologique. C'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est la notion de limitation. Il n'y a pas la notion de façon explicite, comme là c'est le cas chez Zimmel apparemment, il n'y a pas de façon explicite la notion de négation. Mais la notion de limitation, elle est complètement présente partout, puisqu'il n'y a pas d'élan vital sans finitude de l'élan vital. Oui, alors bien donc sûr, c'est juste, je ne veux oui, pas mais bien sûr, être j'apprécie, trop, mais bon. J'apprécie parce que je ne voulais pas entrer trop dans les détails, mais je suis bien évidemment d'accord avec vous, hein. Mais si vous voulez, la grande... enfin bon, ça c'est aussi Jean Kélévich, c'est vrai que je tenais à présenter son point de vue, dans son grand livre sur Bergson, hein, où il y a tout un chapitre sur la vie, mais enfin, c'est dans tout son Bergson, c'est dans toute son œuvre. C'est-à-dire qu'il a eu, c'est vraiment ces deux inspirations. Hein. Je pense qu'on peut dire que Jean Kélévich, toute sa vie, et dans sa philosophie, a été partagé entre un optimisme bergsonien et un sens du tragique zimmélien, particulièrement après la guerre. Et si vous voulez, dans l'évolution créatrice, il y a ce texte absolument magnifique, comme une vision, hein, on pourrait peut-être vaincre la mort, hein, comme vous dites, hein, c'est exactement ça, l'élan créateur de l'évolution nous laisse entrevoir qu'on pourrait peut-être un jour vaincre la mort. Et ça, Jean Kélévich, ça ne peut être qu'avec un point d'interrogation, et peut-être même pas un peut-être. Ça, c'est un point sur lequel il se séparera de Bergson, parce que la mort, chez lui, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas vaincre la mort. Tout ce qu'on peut faire, c'est, et d'ailleurs c'est un point extrêmement important chez lui, c'est que l'avoir été est inexterminable. Le fait, même bref, il prend cet exemple très frappant à la fin de son traité « La mort », le passage bref d'une petite fille de 6 ans qui est morte à Auschwitz, on ne peut pas effacer, hein, et c'est ontologique, c'est un profond mystère, ça on en est tous conscients, et d'ailleurs on peut dire la citation, enfin ce qui a posé sur la plaque de sa maison, hein, le fait d'avoir été, c'est son viatique pour l'éternité. Et là vous avez vraiment, moi j'ai voulu un peu me poser de son point de vue, surtout que bon, Zimmel est très hegélien, quand même, hein, d'ailleurs il se réfère dans la métaphysique de la mort, la formule hegélienne ne trouvera pas de meilleure application que dans cette dialectique entre la vie et la mort. Jean Kélévich, très vite, il n'est pas du tout hegélien, il est critique, on oscille entre les extrêmes. Quand il s'agit de la décision morale, on tranche, par contre, à la résistance, on tranche, hein, ça suffit d'hésiter, hein, on dit non, hein, mais on oscille, hein, on oscille, on reste dans la contradiction, on reste dans le déchirement. Vous voyez, donc ça, je pense que c'est un grand point, mais je suis entièrement d'accord avec vous, hein, avec vos remarques. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein, attends, François, le micro. Je ne suis pas d'accord. La définition de la vie dans l'évolution créatrice implique la conscience. Je n'ai pas dit que ça n'implique pas la conscience. J'ai dit qu'on sortait de la sphère subjective. On ne peut pas enregistrer si vous ne passez pas le micro. On ne pourra pas vous enregistrer. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Je vais quand même... C'est à la page 23 et 27 de l'évolution créatrice que Bergson développe une analogie qui met en relation ce qui est vécu par la conscience, la durée vécue par la conscience, et la durée immanente au tout de l'univers. Et c'est cette mise en relation qui est faite par une analogie qui fait que l'intuition se met à sympathiser, elle est plus enfermée sur les vécus de conscience, mais elle s'ouvre à la durée de l'univers. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas du tout de coupure, hein. Mais ce n'est pas la conscience subjective. Non, je pense que enfin,
S'il y a une autre question. Alors, on voit bien que c'est un débat qui est ouvert et qu'on pourra poursuivre ailleurs. Merci encore à Joël. Et on va maintenant écouter Arnaud Boisniche. Je vais... Arnaud Boisniche est professeur de classe préparatoire littéraire à Arras. Il est chercheur à l'UMR STL à Lille 3 et il est aussi chercheur rattaché au CIEPS, à l'École normale supérieure. Et il est en train de préparer un livre qui va sortir prochainement chez Ellipse qui s'intitule « Bergson, une philosophie de la nouveauté ». Et aujourd'hui, son intervention s'intitule, puisqu'il est intéressé depuis un moment par les questions de naissance, elle s'intitule « Anthropologie de la naissance et éthique de l'hospitalité ». Merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel, peut-être quitte à aller un peu vite et qu'on y revienne dans les discussions. Mais j'imagine que vous avez faim aussi. Je vais essayer d'aller vite sans sacrifier à la clarté. Alors, merci Flora, merci de ton invitation, de ton accueil, de ta présence aussi. Merci à tous d'être présents. Je commence par rejoindre ici Paul-Antoine tout à l'heure et sa méthode Canguil est mienne, de mettre la philosophie à l'école de l'extériorité, à l'école d'une matière étrangère. C'est aussi une méthode qui était déjà celle de Bergson, avant d'être celle de Canguilhem, qu'il appelait celle des lignes de fait, c'est-à-dire de l'étude des données des sciences, pour repérer en quel point ces lignes indépendantes pouvaient converger entre elles. C'est en tout cas la méthode que je me suis fixée pour aborder une question, Flora le disait à l'instant, que je me pose depuis quelque temps, tout récemment, en réalité, celle de la naissance. Le but de cette communication, qui est intitulée « Anthropologie de la vie naissante et éthique de l'hospitalité », que je voudrais peut-être réintituler ou modifier légèrement pour lui donner un titre au croisement de ces deux lignes, qui est « L'hospitalité néonatale ». L'hospitalité néonatale. Donc le but de cette communication est de proposer une hypothèse qui s'inscrit dans un travail en cours donc, sur la signification de la naissance. Cette hypothèse est double. Premièrement, à moins d'être accueillie quand elle débute, toute vie humaine est impossible, si bien que l'hospitalité apparaît comme une condition de la vie humaine et non pas seulement comme une forme de transaction entre individus ou entre groupes constitués. Et deuxièmement, et corrélativement, toute vie humaine doit être placée à son commencement sous le signe et la catégorie de l'étranger, dès lors qu'on n'accueille que celui qui est extérieur à une maison, à un groupe, à une communauté, peut-être même à l'humanité. Dans cette mesure, la parole du Christ que l'on trouve dans les évangiles, dans Matthieu 25, 35, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli » pourrait valoir comme la prosopopée de toute entrée dans l'existence. Dans un article fameux consacré à la condition d'étranger, c'est son titre, Paul Ricoeur déclinait la catégorie de l'étranger en trois modalités, le visiteur, l'immigré, le réfugié. Je proposerais d'ajouter le nouveau-né en lui donnant du coup, de même qu'à l'hospitalité qui lui est corrélative, une portée maximale, bien au-delà de la sphère juridico-politique, dans laquelle la notion d'étranger a d'abord son lieu de pertinence et d'application privilégié. Un tel geste, cependant, se heurte à une double objection. Premièrement, au-delà de la sphère juridico-politique, la catégorie d'étranger peut-elle avoir un sens autre que métaphorique ? Deuxièmement, l'hospitalité peut-elle concerner un membre d'une famille, fut-il nouveau comme le nouveau-né ? Pour le dire très simplement, suis-je hospitalier en accueillant mon enfant qui vient de naître ? Pour répondre à la première objection, la catégorie d'étranger appliquée au nouveau-né n'est pas une métaphore. Le point de départ de cette réflexion est dans un constat récurrent dans la littérature anthropologique, c'est la proximité et parfois l'identité des rituels d'accueil des étrangers et ceux du nouveau-né. C'est un fait que, dans de nombreuses cultures, on se comporte avec le nouveau-né comme avec un étranger. Deuxièmement, peut-il y avoir hospitalité à l'égard d'un nouveau-né ? On pourrait invoquer ici la clinique des relations précoces et les pathologies de l'accueil, en psychanalyse, en psychologie clinique, sans aller jusqu'au déni de grossesse ou au néonaticide, ou encore au déni de maternité. On peut penser à ce que Ferenczi appelle l'enfant mal accueilli. Eh bien, l'anthropologie montre, de son côté, que l'accueil du nouveau-né ne va pas de soi, que son intégration
au groupe, à la communauté, à la famille, ne s'effectue qu'à la faveur de rites nombreux, complexes, et de mécanismes qui font du processus de la naissance un événement hautement sensible. Or, la fonction de ces rites n'est pas seulement de protéger le nouveau-né de ce qui pourrait l'atteindre, lui nuire, éventuellement le détruire, mais aussi bien de neutraliser sa propre puissance de destruction réelle ou fantasmée. Le nouveau-né apparaît comme un être, par conséquent, profondément ambivalent, profondément ambigu, et tel est le fil directeur, le fil conducteur de cette communication, et cette ambivalence vient comme se réfracter dans le geste même de l'hospitalité, et de l'hospitalité néonatale, puisque comme on sait, depuis l'étude fameuse de Benveniste, dans le vocabulaire des institutions indo-européennes, dans le premier volume, eh bien, l'hospitalité a une étymologie double, à la fois qui renvoie d'une part à l'hospes, l'hôte, celui qu'on accueille, et hostis, qui a fini par prendre le sens d'ennemi, de celui qu'on n'accepte pas et que l'on rejette. Cette ambiguïté fondamentale de l'hospitalité est restituée parfaitement par Nietzsche dans une formule forte qu'on trouve dans Aurore 4, paragraphe 319. Le sens des usages de l'hospitalité est le suivant: paralyser chez l'étranger l'élément hostile. La naissance aurait donc le sens d'un événement profondément ambigu, irruption du non-soi chez soi, de l'impropre dans le propre, et de l'impropre au double sens de ce qui n'est pas approprié ou appropriable, et de l'impur également. Ce que l'on retrouve dans les rituels d'accueil du nouveau-né, hein, le stade de purification du nouveau-né quand il naît avant son intégration à la communauté. Et sans doute le terme « unheimlich » que l'on trouve chez Freud, et tel qu'il l'aborde dans son article de 1919, serait-il à même de restituer le sens de la naissance dans cette ambiguïté, à travers cette catégorie elle-même étrange, qui est une sorte d'oxymore, hein, un étranger familier, ou quelque chose qui est à la fois familier et étranger, et qui pourrait renvoyer au sens de la naissance. Hein. Pour aller vite en direction de ma conclusion, enfin pour d'ores et déjà l'annoncer, hein, ma conclusion sera que l'hospitalité néonatale, comprise à partir de l'anthropologie, mais aussi, in fine, de la psychanalyse, fait apparaître au commencement de la vie l'essence de la vie, c'est-à-dire sa dualité fondamentale, sa tension interne entre création et destruction. Ma démarche, hein, se déroulera en trois temps. D'abord, les données brutes de l'anthropologie, de la naissance, hein, sur l'identification du nouveau-né à un étranger, puis la compréhension des rites d'accueil de l'étranger à travers les rites de passage et le mythe de l'exposition, le mythe de l'exposition de l'enfant, du nouveau-né, qui est le mythe de l'enfant abandonné. Et troisième point sera, qui m'amènera à ma conclusion, sera un passage de l'anthropologie à la psychanalyse. Premier point, donc, attribuer au nouveau-né le statut d'étranger ne relève pas de la métaphore ou de l'artifice. Il s'agit d'une donnée récurrente de la littérature anthropologique, je le disais, hein, littérature anthropologique consacrée à la naissance, en particulier dans l'anthropologie de la naissance en Afrique. Je prends trois exemples, le troisième que je développerai, au Congo. J'emprunte cette donnée à Pierre Herny dans Les premiers pas dans la vie de l'enfant d'Afrique noire. Au Congo, en présentant l'enfant au village, les Bazanga disent, je cite, « un étranger nous est venu qui ne doit pas le rester ». Dans le sud Bénin, chez les Yoruba, le nouveau-né est considéré comme un étranger. On lui demande très simplement « qui es-tu ? D'où viens-tu ? Pourquoi viens-tu ? Que veux-tu ?» Le nouveau-né, partageant avec l'étranger, hein, au sens de celui qui arrive dans le village ou dans la communauté qui ne le comprend pas, le nouveau-né partage avec l'étranger une caractéristique essentielle qui n'est pas sans ouvrir une certaine inquiétude, qui est l'opacité de ses intentions. Troisièmement, enfin, chez les Touaregs, et jusqu'à son baptême 7 jours après sa naissance, le nouveau-né est appelé Amagar, d'un terme qui signifie « étranger, hôte ». Et la formule consacrée pour annoncer une naissance consiste à informer la communauté, les proches, de l'arrivée d'un étranger ou d'une étrangère dans le campement. J'emprunte ce que je vais indiquer ici, en m'arrêtant un peu sur les Touaregs, j'emprunte à deux sources. Saskia Valentowicz, dans une thèse remarquable sur la naissance chez les Touaregs, intitulée « Enfant de soi, enfant de l'autre », et d'autre part, aux études d'Hélène Clodo-Awad, « Venir au monde en milieu Touareg », hein, qui est un article, lui aussi, remarquable et riche de données. Les rites, croyances et représentations qui entourent la naissance et l'accueil du nouveau-né chez les Touaregs sont particulièrement instructifs pour mon propos. Lors de l'accouchement, la femme qui donne naissance est dite « entrée dans la terre », c'est l'expression, selon
cette expression qui signifie notamment l'invitation adressée à un voyageur à recevoir l'hospitalité. Donc c'est la même expression qui est utilisée pour annoncer, pour inviter à l'accueil d'un inconnu et pour annoncer la naissance. Aussitôt né, le nouveau petit arrivant se voit offrir, lors d'un rituel appelé frottement du palais, un mélange qui comporte des dattes, nourriture de l'hospitalité offerte à tout étranger quand il est accueilli. Ce rituel opère l'intégration du nouveau-né qui passe de la tente matrice, Saskia Valentovic fait toute une analyse spatiale du campement en milieu Touareg, qui s'organise autour de la tente comme lieu de protection, qui métaphoriquement devient la tente maternelle également, et l'homme étant décrit comme un voyageur entre les tentes. Donc ce rituel opère l'intégration du nouveau-né qui passe de la tente matrice, de l'utérus, à la tente maternelle. La tente étant par excellence un lieu de protection qui est assimilé métaphoriquement à l'espace féminin qui représente l'abri, le refuge par opposition à l'extérieur, l'étranger, donc, non domestiqué et dangereux. Dans ce contexte de l'hospitalité nomade, où le devoir de protéger son hôte est sacré, Saskia Valentovic s'intéresse beaucoup aux accouchements avant terme ou prématurés et elle explique que tout accouchement avant terme est vécu comme une violation du droit de l'étranger à être protégé. Et l'accouchement prématuré revient en quelque sorte à chasser, il est représenté comme ça dans l'imaginaire et dans le fantasme, il revient à chasser l'enfant étranger de la tente matrice et à manquer honteusement à son devoir de protection. Parvenu à ce point, il est toutefois indispensable de reconnaître que le nouveau-né n'est pas un nouveau venu comme les autres. Il ne vient pas de n'importe quel ailleurs, il ne vient pas de n'importe quel endroit, il vient d'un ailleurs dans lequel d'ailleurs il n'est pas entré, à proprement parler, littéralement, il vient d'un ailleurs qui est inconvertible en un ici. Il est dit venir du vide, c'est le terme qui est utilisé, il vient du vide, où il pourrait retourner d'ailleurs, particulièrement dans les premiers moments de son existence où sa vitalité n'est pas suffisante. Et les premières traces d'ailleurs que l'enfant laisse sur le sol, sur le sable, sont immédiatement effacées pour que... éviter que ce qu'on appelle ces compagnons du vide, entre guillemets l'expression, qui appartiennent à l'autre sphère, parallèle au monde connu, ne puissent le retrouver et s'emparer de lui, autrement dit, le faire basculer dans la non-existence et dans la mort. Si le nouveau-né doit recevoir le statut d'étranger, c'est moins parce qu'il serait d'abord étranger au groupe de la famille ou de la tribu que d'abord étranger à ce monde. Le nouveau-né est dès lors perçu, dans les premiers jours de sa vie particulièrement, comme un étranger qui peut repartir, et par conséquent comme un étranger au sens d'un visiteur, un être de passage. Cette représentation du nouveau-né comme visiteur repose sur la croyance en une double parenté. D'une part magique ou mythique, qui rattache le petit enfant à l'au-delà et à l'autre monde, et biologique, qui le rattache à ses parents et à sa famille. De sorte que l'enfant peut repartir dans l'autre monde s'il n'est pas satisfait de ses conditions d'existence terrestre. Et là encore, c'est une donnée de l'anthropologie de la naissance, en Afrique, en particulier en Afrique saharienne ou subsaharienne et en Afrique de l'Ouest. Une donnée que l'on retrouve, où l'enfant est perçu comme... étant susceptible de repartir s'il n'est pas satisfait de ses conditions d'existence terrestre. Et la maladie sera ainsi interprétée comme le signe d'une hésitation de l'enfant à rester sur Terre, et la mort comme le choix d'un retour à son milieu d'origine. Et il n'est pas rare d'entendre dans ces deux cas de figure que l'enfant ne veut pas rester. Parce qu'il est un être de passage, un être du passage, un être liminaire à l'existence flottante et errante, tout l'effort de la coucheuse, dans l'instant de la naissance, et de la mère, consiste à la naissance à inciter l'enfant à rester. Les pratiques de soins et de maternage ont cette fonction première de persuader le nouvel arrivant de rester. Il ne faut pas, par exemple, laisser un enfant pleurer, les pleurs étant interprétés comme un mode de communication entre l'enfant et les génies qui pourraient entendre son appel et le rappeler à eux. À la lumière de ces données, l'enfant qui naît apparaît comme un étranger visiteur, cette catégorie des étrangers, qui n'est ni le migrant, ni l'immigré, mais le visiteur, celle que Paul Ricoeur a dégagée, un étranger visiteur, qui est aussi bien un étrange visiteur, dans la mesure où l'horizon de son accueil est l'abolition du caractère temporaire qui définit au contraire l'hospitalité due au visiteur. Un visiteur est un visiteur par définition que s'il il n'est que de passage et que s'il ne, il est que sa situation est temporaire. Et donc il s'agit d'accueillir ce visiteur pour le fixer, l'installer. Donc il s'agit selon un mouvement qui est paradoxal et qui distinguerait l'accueil de l'étranger de l'accueil du nouveau-né. Or, cette fixation, cette installation définitive que vise l'accueil du nouveau-né est obtenue à travers une transformation ou un changement d'état de ce nouveau-né qui n'est obtenu qu'à la faveur d'étapes complexes
que l'on peut regrouper sous la catégorie célèbre forgée par Arnold von Gennep de rites de passage. Par là, il faut entendre les rites qui accompagnent et même qui accomplissent les changements d'état, de statut, de situation sociale qui rythment toute vie humaine du berceau à la tombe, hein, pour utiliser une formule de von Gennep. Chacun de ces moments est un moment critique et les rites qui sont mis en œuvre, qui règlent et organisent le passage d'un moment à l'autre, hein, sont magnifiquement et magistralement exposés par von Gennep, comme pouvant se décliner en trois moments et trois étapes, en trois stades, il appelle ça des stades, le stade de séparation, qui est appelé aussi stade préliminaire, de marge ou liminaire, et d'agrégation post-liminaire. Or, l'événement de la naissance peut lui-même se décomposer selon ces trois étapes, ces trois stades. Le stade de séparation, séparation multiple d'ailleurs, de l'enfant avec son milieu antérieur, cet ailleurs d'où il vient, ce vide, de séparation d'avec sa mère, lors de la section du cordon ombilical, et de séparation d'avec son placenta. Le stade de marge ensuite, hein, qui est cette période entre le jour de sa naissance et 7 jours ou 9 jours, selon certaines cultures, période de purification, période de protection aussi, qui correspond à l'isolement de l'enfant et de sa mère, par la même occasion, après sa naissance. Et enfin, stade d'agrégation au groupe ou à la société, c'est le moment de la reconnaissance sociale, qui correspond souvent avec le baptême et avec la nomination de l'enfant. Or, ce qui est remarquable, c'est que ce qui sous-tend toute cette ritualisation du passage, c'est le modèle spatial du franchissement. On ne sera pas surpris de constater que von Gennep ouvre son étude sur le schème du passage matériel, du franchissement de la frontière, de la porte ou du seuil. C'est l'objet du chapitre 2. On ne sera pas surpris non plus de voir apparaître, avant même la naissance, le commencement de la vie humaine, au chapitre 3, entièrement dédié à la situation de l'étranger. Donc avant même d'aborder la naissance, von Gennep passe par l'analyse de la situation de l'étranger et au rite de l'accueil qui lui sont dédiés. Autrement dit, il commence par l'hospitalité. Au sens classique du terme. On ne sera pas surpris enfin, et du coup, de voir von Gennep rapprocher les rites d'accueil de l'étranger et ceux du nouveau-né. Ainsi, dit-il et note-t-il, au Maroc, un nouveau-né ne peut naître qu'après avoir obtenu la grâce de tous les assistants. Il y a là, écrit-il, comme on voit, une attitude de défense de même ordre que celle que prend la collectivité à l'égard de l'étranger. C'est un fait. Que dans de nombreuses cultures, l'étranger est contraint, avant d'être invité, de passer par toutes sortes de rites de purification, par l'eau par exemple, hein, et on retrouve de même cette nécessité de purifier l'enfant qui vient de naître, notamment à travers les rituels du bain et les rituels de nettoyage. À ce stade, on serait tenté de conclure au caractère originaire et primitif de la situation de l'étranger, qui éclairerait, en partant de lui, l'accueil du nouveau-né. Et celui-ci serait comme un étranger. En réalité, c'est l'inverse. L'étranger est plutôt comme un nouveau-né, et son accueil répète celui initial du nouveau-né. C'est ce que nous montre de manière remarquable Nicole Belmont, qui est une anthropologue de la naissance, dans ses travaux. Elle cite elle-même von Gennep, qui insiste sur, je cite, « l'identification du passage à travers les diverses situations sociales, au passage matériel, à l'entrée dans un village ou une maison, ou à travers des rues et des places. » Fin de citation. Il ne s'agit pas donc d'un passage symbolique. Von Gennep insiste beaucoup sur ce point, mais aussi bien d'un passage réel, littéral, matériel. Ce qu'il faut comprendre dès lors, selon Nicole Belmont, c'est que tout passage matériel s'identifie à la naissance dans sa réalité la plus anatomique. La sortie hors du ventre, en commençant d'ailleurs par la tête. Hein. Elle insiste beaucoup sur le sens, je m'attarde pas sur ce point, mais elle insiste beaucoup sur cet axe de la naissance qui commence par la tête et non par les pieds, sauf dans certaines naissances singulières. Derrière tout rite de passage, il y a comme une répétition du passage premier, originel et natal. Mais, alors, il me reste pas très combien de temps ? C'est juste pour avoir une idée. 20 minutes, d'accord. Mais quelle différence y a-t-il entre l'accueil de l'étranger visiteur et celui du nouveau-né ? Alors, c'est peut-être en s'arrêtant sur le stade intermédiaire, la succession des trois étapes qui sont explicitées par von Gennep, c'est-à-dire le stade de marge, que l'on pourra peut-être expliciter à la fois alors, la part la plus opaque de cette hospitalité néonatale, sur laquelle je voudrais arriver, mais aussi sur la différence qui pourrait mieux apparaître entre l'accueil de l'étranger et celui du nouveau-né. Ce stade de marge est ambivalent. C'est non seulement un espace de protection, un espace protégé, mais c'est aussi un espace qui protège de l'enfant. C'est un espace
ce stade de marge est aussi bien un espace de décontamination, de neutralisation de la part dangereuse ou hostile de l'étranger et également du nouveau-né. Que peut bien signifier cette part hostile hein, quand elle est attribuée au nouveau-né ? Eh bien, c'est ce qui peut apparaître, non pas directement à travers la description des rites ou du rite, ou peut-être moins directement ou moins explicitement dans les rites et son interprétation, que dans le mythe et dans le temps ralenti, épaissi du mythe. Plus particulièrement dans la mythologie qu'on appelle la mythologie de l'exposition de l'enfant qui désigne son abandon à sa naissance. Je m'appuierai à nouveau ici sur une étude de Nicole Belmont dans un article remarquable intitulé « L'enfant exposé » qui est paru dans « Anthropologie et société ». Le motif de l'enfant exposé est riche. On le retrouve dans toutes sortes de mythes, de légendes, hein, du roi Sargon Ier, de Moïse, d'Oedipe surtout, hein, dont on connaît la structure, de Persée, de Romus et Rémulus, etc. Alors, ramené à sa structure la plus épurée, le récit se présente sous cette forme. Hein, le héros est souvent d'origine royale. Sa naissance est précédée de difficultés. Avant ou durant la grossesse, une prophétie met en garde le père contre les dangers que lui ferait courir la naissance de cet enfant. Le nouveau-né est exposé sur l'eau. Après avoir été placé dans une boîte, il est recueilli par un animal femelle ou par un couple humain d'humbles conditions. Devenu adulte, l'enfant retrouve ses véritables parents, il est reconnu, mais la prophétie s'accomplit. Que raconte ce mythe ? Hein, pour aller vite à l'essentiel et au point qui m'intéresse. Eh bien, ce mythe dit justement à quelles conditions une hospitalité néonatale est possible, à la condition que l'enfant ne soit pas d'emblée accueilli. À la condition qu'il ne soit pas d'abord accueilli par ses parents, et plus précisément dans le mythe, par son père. La possibilité d'une telle hospitalité réside dans un accueil ajourné, dans un accueil refusé. Tout commence par un abandon, mais un abandon qui est éminemment problématique en tant qu'il est initial, justement, hein, et qu'il précède donc tout acte de reconnaissance. Comment, en effet, ce qui n'a pas été reconnu peut-il être abandonné ? Peut-être parce qu'un lien premier existe, qui doit être brisé pour qu'un second lien, plus important, apparaisse et se constitue. En l'occurrence, si l'enfant n'est pas accueilli, c'est peut-être, dans un second temps, pour être recueilli. Recueillir désigne une entrée volontaire dans la relation à partir de la fragilité ou de la vulnérabilité de l'autre qui n'est pas d'ailleurs nécessairement humain, c'est peut-être un animal. Un animal, alors soit parce qu'il n'est pas du tout humain dans le cas d'animal, soit parce qu'il n'est pas encore humain, ce qui est le cas... du nouveau-né dans le stade de marge. Il y a une période d'indécision ou d'incertitude où il est en quelque sorte mis à l'épreuve où il doit faire preuve de son humanité, où il va s'humaniser progressivement. Abandonné au nom d'une hostilité présumée, prophétisée, supposée, il est recueilli à partir de sa fragilité provoquée, exhibée, exposée. Dans ce décalage entre accueillir et recueillir, c'est un véritable déplacement qui s'effectue de la parenté biologique à la parenté sociale. Toute parenté véritable, voilà ce que dit le mythe, exigeant quelque chose comme une adoption, comme une décision qui ouvre une dimension d'hospitalité dans la parentalité, avec sa part de symbolique, car, pour le dire dans des termes que j'emprunte à Boltanski, Luc Boltanski, dans La condition fœtale, l'engendrement par la chair exige une confirmation par la parole. Toute la fonction des rites d'accueil du nouveau-né est d'organiser ce passage, le passage de ce qui est dissocié dans le mythe, c'est-à-dire de la parentalité biologique à la parentalité sociale. En ce point éclaterait toute l'ambivalence de ce que j'appelle ici l'hospitalité néonatale, entre d'un côté l'accueil de l'hôte et la neutralisation et l'hostilité à l'égard de l'ennemi. Je suivrai ici, ça c'est le troisième et dernier temps de mon développement. Pas beaucoup. D'accord. Bon, la voie ouverte par Nicole Belmont pour porter au jour la signification de ce geste qui consiste à exposer le nouveau-né, autrement dit à éloigner l'enfant de soi. Selon elle, il convient de compléter le point de vue anthropologique par le point de vue psychanalytique, mieux à même d'expliciter ce qui au premier abord est difficile à reconnaître. Des pulsions hostiles à l'égard du nouveau-né. L'exposition qui consiste à soustraire l'enfant à toute possibilité de contact, c'est le geste de l'exposition, constitue un mode archaïque de défense contre les pulsions hostiles éprouvées par les parents contre leur enfant. L'hostilité présumée du nouveau-né n'est rien d'autre que le miroir ou la projection des propres pulsions parentales à l'égard du nouveau-né. La solution esquissée dans le mythe pour éviter la destruction de l'enfant est donc l'éloignement de l'enfant. Hein. Son isolation, au sens que donne Freud à ce terme, dans inhibition, symptômes et angoisse. Freud explique en effet que face à un événement trop angoissant, le psychisme a deux solutions, deux stratégies, l'annulation et l'isolation.
Comme il n'est pas possible de traiter l'événement de la naissance selon la première stratégie, celle de l'annulation, puisque l'événement est advenu, il est arrivé, il a eu lieu, il reste l'isolation, autrement dit, l'instauration d'une pause, d'une interruption durant laquelle rien ne saurait arriver, plus rien ne saurait se produire. Cette neutralisation ou cette paralysie n'est pas sans évoquer le stade de marge des rituels d'hospitalité où, face à l'étranger, toute hostilité est comme désactivée. Mais tandis que l'hostilité, cette désactivation de l'hostilité ouvre dans l'interaction sociale avec un invité, sur un échange dans une séquence de don contre don, qui est une clé de contact, bon, j'emprunte cette expression, une clé de contact, de premier contact donc avec l'étranger, de possibilité de ce contact. Dans la mythologie de l'enfant, de l'enfant exposé, c'est exactement l'inverse qui se produit. Le contact est immédiatement évacué. Et bien, dans cette suspension, dans cette distance, c'est tout un espace d'élaboration psychique qui s'ouvre où pourra... par contre-coup et par compensation, pourront se construire les liens d'amour et d'attention à l'enfant. Mais ce qu'il faut saisir, c'est que cette neutralisation, c'est toujours par l'intermédiaire de cette neutralisation ou sur fond de cette neutralisation de l'hostilité que pourra s'élaborer cet amour, donc neutralisation des intentions malveillantes à l'égard du nouveau-né qui traverse l'ensemble du groupe accueillant, de la mère à l'entourage et aux proches. L'arrivée d'un nouveau-né est un événement que l'on place d'emblée sous le signe de la vitalité, il est nécessaire de reconnaître en lui, par conséquent, une ambivalence qui convoque la vie comme la mort. Et cette indistinction de la vie et de la mort est au cœur de ce que Freud appelle « unheimlich », justement l'inquiétante étrangeté. Ce qu'il y a d'inquiétante étrangeté dans la naissance tient à ce qu'elle est aussi rattachée à la mort. C'est un cas typique du refoulé qui revient, qui fait retour là où on n'attendait pas à le trouver, où on ne s'attendait pas à le trouver dans la naissance, c'est-à-dire dans le moment de la vie apparaissante, qui devrait être un moment de vie triomphante. In fine, si l'hospitalité néonatale éclaire la vie, c'est qu'elle fait apparaître son ambivalence intrinsèque, création et destruction, là où on ne s'y attendait pas, nécessairement, donc dans cette vie apparaissante. Tout se passe comme si cette ambivalence de la vie venait se refléter et se révéler de manière exemplaire dans l'ambiguïté de cette hospitalité ou de cette hostipitalité, pour prendre le mot valise qui est forgé par Derrida pour faire apparaître sa double étymologie, à la fois inclusion et exclusion, l'inclusion s'élaborant sur fond et sur fond du risque toujours de l'exclusion et du rejet. S'ouvre alors un programme de relecture de l'essai de Freud de 1919, l'inquiétante étrangeté, au fil conducteur d'une compréhension de la naissance, événement unheimlich par excellence, où de la familiarité surgit l'inquiétude. Selon Freud, ce sentiment surgit avec une force et une netteté particulière en présence de personnages de cire, de poupées, chez qui on a l'impression de déceler, en un instant, un signe de vie ou d'animation. On connaît le tableau de Georges de la Tour, le nouveau-né, où on voit deux femmes qui sont penchées sur le petit corps emmailloté à la lueur d'une bougie, et tout l'intérêt de ce tableau est précisément, selon moi, dans l'indécision qui plane sur cette scène, où ces deux femmes paraissent recueillies, avec une sorte de gravité sans qu'on sache si l'enfant qui est né et qui est au cœur du tableau est vivant ou mort. Ce qui par conséquent voit le jour, et ici, ce qui apparaît dans la lumière, fût-elle celle vacillante d'une bougie, c'est bien la mort dans la vie, au cœur de la naissance. Les cliniciens, les juges peut-être, le savent aussi, mais nous avons besoin de l'anthropologie et de la mythologie pour l'apprendre et le comprendre. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps. Donc on a un moment pour discuter. Jean-François, regarde. Et merci Arnaud pour cet exposé si riche et magnifique. J'ai une question par rapport à Freud. Il y a l'essai de 1895, qu'on appelle l'Entwurf, le projet de psychologie scientifique, dans lequel il est question de la naissance. Et là, il est vu du côté du malaise de l'enfant, de ce qu'il appelle l'Hilflosigkeit, c'est-à-dire le fait d'être sans aide. Sans aide, en détresse. Voilà. Et donc, j'aurais voulu savoir comment on peut mettre en rapport ce que tu as dit de l'hospitalité avec cette conception tragique de la naissance, ou de l'être... Tragique ou tout au moins peut-être ambivalente. En fait, j'ai surtout insisté sur l'aspect. Voilà, je prévoyais peut-être d'insister plus sur le rétablissement en fait. Sur le sentiment d'impuissance.
Ça se rapprocherait aussi de ma tentative de démonstration qui consisterait à rapprocher l'étranger du nouveau-né, parce que la catégorie de l'étranger, c'est aussi dans sa généalogie historique, hein, celui qui est perçu comme étant du côté d'un défaut de puissance, d'un manque de puissance. Hein. Le malade, celui qui a besoin de soins, celui qui a besoin d'être encadré, accompagné, et accueilli au sens de soigner aussi. Donc ça irait dans ce sens-là. Il y a tout l'aspect aussi de ce... il faudrait en effet faire analyser le vécu ou l'éprouver, comme on dit parfois en psychanalyse ou en clinique, hein, du nourrisson qui passe lui-même par le sentiment de la mort, le sentiment de mourir. Winnicott insiste beaucoup là-dessus, hein, sur la chute sans fin, partir en morceaux, voilà. Et donc, par conséquent, il s'inscrirait dans ce qu'on peut appeler aussi le traumatisme de la naissance. Alors, bien sûr, tout le rôle de l'accompagnement, de la préoccupation maternelle primaire, ce que Winnicott appelle, c'est précisément de venir au secours de cette détresse, mais on peut en effet faire une place à la mort en tant qu'elle est vécue, ou en tout cas, sinon la mort, du moins la mort directement, du moins le sentiment de mourir, voilà, ou d'être sur le point de mourir, quoi, que le nouveau-né peut éprouver en naissant, et dont il reste toujours quelque chose. Rank en parle, hein, le disciple de Freud, justement, de ce traumatisme de la naissance dans ces termes. Merci beaucoup pour votre exposé très, très riche. Juste une petite remarque pour faire une généalogie de la naissance, peut-être. Le moment de la conception pourrait être ramené aussi à cette ambivalence, si on pense au niveau immunitaire, ce qui est la grossesse. C'est une énigme, sinon un mystère. Mais une énigme de l'organisme qui ne rejette pas justement cette cellule étrangère déjà. Et il y a des études, je crois, qui datent un peu, mais peut-être je suis pas encore au fait de l'actualité dans ce domaine, mais il y a en tout cas on constate une augmentation du nombre de fausses couches quand le partenaire n'est pas régulier depuis au moins 1 à 2 ans pour la femme. Donc en fait, il y aurait une sorte de passivité des cellules immunitaires à partir du moment où on conçoit avec quelqu'un qui est un partenaire habituel. Merci beaucoup. Oui, il y a un aspect, en effet, alors c'est un mystère peut-être organique. Alors, je ne sais pas, c'est un aspect sur lequel je commence à m'informer pour parler de la naissance, là aussi, en me confrontant aux faits, mais le mécanisme de la grossesse ou de la conception, il est psychique. C'est vrai qu'il est psychique, et on conçoit tout à fait que dans un contexte, effectivement, de peut-être d'isolement aussi maternel, il y a quelque chose. L'enfant ne trouve pas sa place, hein, précisément parce que on ne la lui fait pas psychiquement aussi. Hein, la médecine en parle, l'obstétrique en parle effectivement. Freud en parle également sur le fait de progressivement l'appropriation par la femme de cet enfant qu'elle porte en elle et qu'elle se représente d'abord sous la forme d'un objet étranger, en fait, il y a ça, et qui peu à peu elle va investir psychiquement qu'elle va percevoir une fois à l'extérieur de lui, qu'elle va pouvoir investir. Il y a ce mécanisme qui est décrit par Freud dans les textes que Freud consacre au narcissisme, notamment. Elle va pouvoir l'aimer parce que cet enfant, parce qu'elle va l'investir comme une partie d'elle-même à l'extérieur d'elle-même. Et il y a tout ce mécanisme-là. Mais en effet, il y a sur cette hospitalité, j'ai insisté beaucoup sur l'aspect rituel ou l'aspect matériel. Il faudrait insister sur sa dimension psychique et sur ce que c'est Jean-Marie Delassus appelle la naissance psychique, en fait, hein, sur la naissance psychique et sur le
Winnicott aussi insiste beaucoup là-dessus. Tout repose sur la capacité de fantasmer l'enfant et le fantasme pour le produire et pour le faire vivre. Hein, pour le produire, dit-il, tout entier vivant. Donc, et à moins d'être fantasmé ou rêvé, hein, c'est aussi tout le thème de la rêverie qui doit prendre l'enfant en charge aussi. Et bien, l'enfant, dit Winnicott, tomberait en miettes hein, si, en naissance, s'il n'était tenu par ses langes. Enfin, il a cette formule, cette image frappante. Donc ça veut bien dire que voilà, le psychisme a aussi une fonction qui est contenante, enveloppante et intégrative, hein, qui intègre, qui crée, qui suscite de l'individualité. Et dans le moment de la conception, en effet, ces mécanismes sont déjà en marche. On pourra parler aussi peut-être dans le cas du déni de grossesse, il y a cette énigme hein, aussi qui fait que l'enfant se développe sans être visible, hein, et sans être vu, comme si le corps lui-même intégrait le fait que l'enfant ne trouvait pas sa place dans le corps parce qu'il ne l'a pas dans le psychisme. En fait. D'abord, merci beaucoup, bonjour. C'était vraiment très intéressant. Merci. Et j'ai une question sur le plan pratique, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent, je n'ai moi-même pas d'enfant, qui doivent ressentir cette difficulté de l'hospitalité et de cet être qui à la fois était en elle et à la fois est maintenant à l'extérieur. Je me rappelle d'une amie qui me disait que c'était comme si à la fois son enfant était très familier et à la fois c'était un être différent et qui devait apprendre à se connaître mutuellement. C'est ça. Et est-ce que le fait, sur un plan pratique, d'avoir conscience de ces problématiques de l'hospitalité, de la vie et de la mort, et pourrait permettre aux femmes d'avoir moins de culpabilité de certains sentiments qu'elles ont et de s'impliquer plus consciemment dans le rite de passage? Oui. Oui, absolument. Alors, je travaille un petit peu, enfin, j'ai quelques lectures sur ce point. Alors, justement, on parle des rites. Ce qui est frappant, c'est que dans certaines cultures, il y a une multiplicité de rites qui sont à la fois très complexes, très riches, qui, autour de la naissance, et qui viennent justement aider la mère à accueillir son enfant, justement. Et à défaut, justement, de ces rites, la mère se sent seule et parfois, justement, a besoin d'une autre relation contenante qui va être assumée par le milieu, le corps médical, par des thérapeutes, ou justement pour accueillir sans culpabilité, y compris des affects qui sont de l'ordre de la haine. Winnicott explique que c'est normal. En fait, c'est non seulement ça peut arriver, mais c'est normal. C'est un sentiment absolument normal et qu'il y a quelque chose à construire et à métaboliser et à psychiser et à libidiniser aussi, et à intégrer vraiment dans la relation à l'enfant la confrontation notamment à l'agressivité de l'enfant. Il y a une vraie agressivité notamment au moment de nourrir l'enfant, l'enfant qui attaque le sein, qui fait mal, etc. Et c'est la capacité justement à trouver les réponses à répondre à cette agressivité autrement que par l'agressivité. Et donc il y a des mères effectivement qui répètent quelque chose qui ne s'est pas constitué dans l'enfance à ce moment-là et qui sont incapables parce qu'elles ne trouvent pas cette ressource contenante en elles sont en grande souffrance et deviennent maltraitantes par exemple. Donc effectivement c'est tout, ça va pas de soi, voilà, l'accueil de l'enfant ne va pas de soi et c'est quelque chose qui me fera beaucoup notamment en travaillant sur ces questions-là, c'est cette ambivalence, hein, vraiment, parce qu'on insiste beaucoup sur l'heureux événement, c'est un événement, en effet, qui accroît la culpabilité, en plus, parce qu'il y a toutes sortes d'affects très puissants qui se produisent à ce moment-là, et qui ne devraient pas trouver leur place, ou en tout cas, auxquels la mère ne s'attend pas, en fait, hein, entourée de cette sorte de... de coton et de cocon dans lequel on perçoit les naissances, dans la petite carte... rose de l'enfant aîné, et on voit pas toute la violence en fait que constitue cet événement et sur la base de quelle violence justement l'amour s'élabore aussi et se construit pour voilà. C'est la dernière question. Oui, parce que pendant je suscite les pressions. Oui, bonjour. Juste aujourd'hui, nous avons énormément d'informations dans la discipline de l'embryologie qui sont avérées. Donc, ce serait dommage de nous priver de ça. Par exemple, au moment de conception, la compétition entre tous les spermes.
et pendant la grossesse, souvent une vraie lutte entre la mère et le nouveau-né. Une lutte, alors, c'est-à-dire une lutte qui prend quelle forme, en fait, là, entre la mère et le... Bon, c'est sur un autre plan, karmique. Ça se voit en regardant la santé. Ça peut être l'enfant qui va bien et la mère est épuisée, ou l'inverse. Oui. Donc c'est témoin de quelque chose derrière, ou plus loin. Oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut rappeler les progrès de la médecine. Dieu merci, rendre ces situations plus rares. Mais il n'était pas rare, justement, que la question se posait très simplement de l'enfant ou la mère. En fait, au moment de la naissance, il y avait quelque chose qui se faisait sous le mode de la disjonction et de la... Et où la condition de la survie de l'autre était la mort de l'autre, en fait, oui. Oui, donc c'est pas... Oui, donc il y a l'embryologie classique, mais aussi plus érudite. D'accord. Oui, absolument. Oui, non. Merci beaucoup, merci. Alors, vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'on avait commencé avec 15 minutes de retard, qu'on va essayer d'absorber pendant la pause déjeuner, donc on reprendra effectivement à 14h. Je le dis avant de remercier encore une fois Arnaud pour son bel exposé.